Quý chú. Ông chủ tịch bắc cạn to cái chấm đa ca để tiếp thị sản đa ca. Thằng nào muốn lời, sống chơi nhầm đang tháp đi nhà muốn. Thank you, Mr. President. I just wanted to correct, for the record, something that was stated by counsel before the break. He indicated that civil party applications were not provided under oath. I apologize for not getting up earlier, but the two that were on the screen were in French, and I was looking for a English version just to correct, confirm my understanding. But in fact, in Section D of the civil party applications, where they place their signature, they declare specifically that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present form is correct. Otherwise, I will be liable under the applicable law. This is certainly some form of oath, so I think it is incorrect to assert that these statements are not provided under oath. And aside from that point, we certainly support the civil party's use of these statements. This seems to us to be the role that they serve in these proceedings. The defense, including the Nunche defense, have been allowed to do this with statements of other witnesses, where they are not going to appear to testify. Certainly, all 4,000 civil parties are not going to be able to appear to testify here. And therefore, it seems to us that where there is matters within the knowledge of a witness, such as in this case where we have someone who has come in and made assertions that there were no forced marriages, that there was plenty of medicine, and other assertions regarding the conditions in Mondulkiri sector, it seems to us entirely appropriate that he be confronted with the voices of the victims from that region. So for those reasons, we would support the civil party's use of these documents. Thank you, Mr. President. Mr. President, let me first address the prosecutor's remarks. An affirmation is not an oath. He ought to know better. At least with the statements or the summaries of the statements that we get from the OCIJ, there we have a judicial officer who is taking a statement, turning it into a summary, giving it, and then it is thumbprinted or signed under oath. So there is a vast difference between one and the other. So that's first and foremost. Our position is rather one of principle, and that is, if you're going to use this sort of a statement that was made for the purposes of becoming a civil party, and where that individual has a vested interest in becoming a civil party, one cannot just ipso facto say, well, it was given in earnest. That earnesty has to be demonstrated through a process of confrontation if it's necessary. In this instance, these statements are being used in order to impeach this particular witness, and in one of them, D22/2760 on page 5 in Khmer, it clearly implicates the witness himself. In other words, the civil party is using, the civil party lawyer is using a statement from a civil party in order to implicate and treat the witness as an accused, something which, Mr. President, you have advised all of us not to do so in this court. So we do think that there is a vast difference. Our position, to be quite frankly, is as follows. We need a set of guidelines and rules that are going to be followed universally throughout the trial. We do not think that these sorts of statements ought to be coming in unless the witness or the civil party is going to be testifying. Of course, if you tend to think that they need to be heard, the voices of the civil parties need to be heard, and we don't object to that, then obviously we want it stated loud and clear that very little weight, if any, will be given
to such statements unless they're corroborated by independent indicia. Plain and simple. But to simply say that one person had this experience and therefore that's how it was in this region or that area is insufficient unless we hear other evidence that would support that. And thus the civil party statement is something that is used to supplement as opposed to used to actually prove. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, pour illustrer ce que vient de dire mon confrère, deux des parties civiles qui ont été citées par Maître Simonofort à l'instant, Sourdiem et Sruok Tras, sont des gens qui portent plainte contre ce témoin. Alors, cela pose effectivement un problème. Et je crois que c'est cette question-là qui doit être réglée, d'autant que notre confrère nous a indiqué que ces deux personnes ne figuraient pas sur la liste du parti civil qui devrait comparaître devant vous. Monsieur le Président, ហើយកម្រិតអត់ឲ្យវិលជុំវិញទីកម្រិតលោកត្រឹមតែឆ្លើយតបប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវាចម្លែកដែរអង្គជំរះបានដកថយទៅពិចារណាសម្រាប់ពីបញ្ហានេះហើយពេលដែលអង្គជំរះវិលចូលមកវិញស្រាប់តែភាគីបន្តបញ្ហានេះដដែលប៉ុន្តែយើងអនុញ្ញាតដោយសារមូលហេតុយើងក៏ចង់ស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ផងដែរឬបញ្ហានេះដើម្បីចេញជាសេចក្តីណែនាំអនុវត្តមួយឲ្យបានជាក់ច្បាស់តែម្ដងហើយគួរឲ្យស្ដាយដែរភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមិនបានតវ៉ាជំទាស់មុនពេលដាក់ឯកសារនេះដេញដោលទេជាងសឺសិតតែប្រច្រាស់ទៅវិញអង្គជំរះបានរំលឹកហើយថាភាគីណាដែលមានបំណងក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងឯកសារដាក់ឯកសារ ណាមួយចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះត្រូវបង្ហាញភ្លាមភ្លាមនៅជំហររបស់ខ្លួននិងសំអាងហេតុសំអាងច្បាប់សំអាងស្ដីណែនាំអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយពិភាក្សាដោះស្រាយសម្រេចជាមុនហើយភាគីដែលជំទាស់នឹងគឺភាគីម្ខាងនឹងជំទាស់បានតែម្ដងទេមិនមែនអង្គជំនុំជម្រះទី1គឺមិនអាចទៅអាចសម្រេចជំទាស់ទៅលើស្ដី ឆ្លើយតបទេទី2ការសម្រេចរួចហើយមិនអាចលើកឡើងបញ្ហាដដែលនេះទៀតទេលើកលែងតែកលៈទេសៈផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមលោកយល់ជៀសវាងច្របូកច្របល់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធី អង្គសេនាសវនការទាំងមូលហើយនៅសាធារណជនខ្ញុំបាទងឹបឈុននេះគឺមានបំណងឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលលើកឡើងដោយមេធាវីខាងការពារក្តីទាំងពីររូបដែលបានលើកឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកានវ៉ាស់ដែលនិយាយថាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះគ្មានការស្បត់ហើយចម្លើយនេះដែលមិនមានការធ្វើនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរបស់អង្គភាព កាយឡៃសហចៅក្រមសើបអង្កេតចំណុចតពាត់ពន់នឹងចំណុចនេះដើមបណ្ដងរដ្ឋវិញនេះគ្មានកតាបកិច្ចនៅក្នុងការស្បត់ហើយក៏គាត់មិនត្រូវស្បត់ដែរព័ត៌មានរបស់ដើមបណ្ដងរដ្ឋវិញនេះដូចនៅក្នុងមិត្តវិធាន 23នៃវិធានផ្ទៃក្នុងបានលើកហើយគឺគ្រប់គ្រងទៅដល់ការចាត់ប្រកាន់ នេះជាការចូលរួមរបស់ដើមដងរដ្ឋវិញនេះដូច្នេះព័ត៌មានរបស់គាត់ក៏អាចមានតម្លៃជាភស្តុតាងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងការពិចារណាដែរដូច្នេះមានអ្វីដែលថាកំណត់ថាប្រសិនបើថាគាត់មិនបានស្បត់ឬក៏មិនបានយកព័ត៌មានដោយមន្ត្រីសហចៅក្រម
ក៏មិនងងនៃការលើកពីព័ត៌មានជាសង្ខេបជាសម្រាប់តែជាព័ត៌មានជាចែកទេសនៅក្នុងការសួរយកព័ត៌មានពីសាក់សីតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសួរយកព័ត៌មានរបស់ភាគីនីមួយៗដូចគ្នាដែរនៅក្នុងទម្រង់បែបបទព័ត៌មានរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះដែលស្នើសុំគឺមិនត្រឹមតែសុំធ្វើខ្លួនដើម្បីធ្វើជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះគឺសុំឲ្យមានការកាត់ក្តីរោគយុត្តិធម៌ជូនគាត់ផងដែរដូច្នេះគាត់មិនបានចា
Très bien, Monsieur le Président. Je vais poser des questions sur le centre de sécurité de Phnom Kraul qui, je crois, figure dans le champ du dossier 002. À propos des disparitions, vous avez dit, Monsieur le témoin, que vous avez dit à Monsieur le procureur qui vous a montré une liste de prisonniers arrivés à S21 le 23 novembre 1977, que vous n'étiez pas au courant de l'envoi de personnes à S21. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler de personnes qui ont été arrêtées et qu'on a emmenées à pied ou en camion vers une destination que vous ne connaissiez pas? Monsieur le Président, suis-je autorisé à lire un extrait d'un document D22-2796, qui est une déclaration de parti civil qui évoque les départs de personnes du secteur 105 vers S21. Il s'agit d'un ERR. Alors, les pages en français sont les pages 6, 7, 8 et en clair, le RN est 0, 0, 5, 5, 6, 5, 4, 3 jusqu'à 0, 0, 5, 5, 6, 5, 4, 4. Puis j'évoquais cet extrait. Le document est une déclaration de parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais donc lire un extrait dont j'ai donné les références en français et en khmer. Je n'ai pas de traduction en anglais, malgré ma demande. Donc, cette partie civile indique ceci. Fin 1975, j'ai conduit un camion rempli d'hommes et de femmes
accusés d'être des traîtres à la nation, complices des Vietnamiens, vers la province de Kratie. Quand nous sommes arrivés à la commune de Tmak Kre, district de Kratie, province de Kratie, des canots les y attendaient pour assurer la suite du voyage. Je ne savais pas où on les emmenait. J'ai seulement entendu dire qu'on les emmenait pour les éduquer. Ils ont disparu depuis. On ne les a jamais vus revenir. Puis, à la page suivante, ce témoin dit, début 1978, j'ai été renvoyé travailler comme chauffeur, comme dans le passé. Le camarade Sion, qui était le chef du bureau du commerce, m'a dit, tu ne dois pas faire autre chose que de réparer les véhicules en sorte qu'aucun ne tombe en panne. À ce moment-là, il y avait deux camions de fabrication chinoise réservés au transport des gens que les hommes de Pol Pot considéraient comme traîtres et qu'il fallait emmener pour les tuer dans les environs de la montagne Kraol, qui se trouvait à peu près à 5 km du chef-lieu du district de Konai. Chaque jour, à l'aube, deux véhicules partaient avec 10 personnes ou plus à bord et ne revenaient qu'une heure plus tard. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle quelques souvenirs? Je remercie Monsieur le témoin. J'ai une deuxième question sur Phnom Kraol et puis j'aurai une dernière question sur les mariages forcés qui, je crois, rentrent dans le champ du cas numéro 2 sur la totalité du territoire. En ce qui concerne Phnom Kraol, je voudrais évoquer le dernier interrogatoire de ce témoin qui porte la référence E3-404, page 5 en français, ERN Khmer 0039884, ERN anglais 0040302 7. Puis-je évoquer ce document rapidement, Monsieur le Président, et l'afficher si vous le souhaitez. Je vous remercie. À la question suivante, au moment où vous avez pris le contrôle de la région 105, est-ce que le centre de sécurité Phnom Kraol était encore en fonctionnement? Vous avez répondu, je vous cite, monsieur, il fonctionnait normalement. Et vous ajoutez, cela dit, on n'a pas arrêté telle ou telle personne. Est-ce que je peux vous demander, monsieur, ce que cela signifie, un centre de sécurité qui fonctionne normalement? Je vous remercie, Monsieur le Président. Puis-je évoquer un document D22-452 qui est une déclaration de parti civil qui porte les ERN en français 0081451 et en khmer 00
5, 8, 0, 9, 7, 7. Je voudrais utiliser l'information supplémentaire et évoquer ce que dit cette personne sur Phnom Kraul. Je vous remercie. Donc, cette partie civile, qui est une femme qui avait 24 ans en 1975, indique ceci. Mon mari, je ne donne pas son nom, avait été affecté au centre K-17, situé à la montagne de Krol. Le centre K-17 était limitrophe de la prison de Phnom Krol et sous la supervision de la région. Puis je saute un paragraphe et elle dit ceci. À côté du centre K-17 existait le centre K-11, réservé à l'unité d'avant-garde qui était chargée d'effectuer des lourds travaux tels que la construction de barrages. J'ai été parfois envoyé travailler avec les gens du centre K-11. Là, j'ai assisté à des scènes d'arrestation. Les victimes avaient les mains liées derrière le dos et faisaient marcher en file indienne. Monsieur, est-ce que cela vous rappelle quelque chose sur ce centre de Phnom Krol qui n'était pas loin du bureau du secteur? Je vous remercie. J'ai enfin une dernière question sur les mariages forcés et qui est une question de suivi par rapport à celles qui ont été faites par Monsieur le procureur et à celle qui a été faite par ma consoeur ce matin. Vous avez dit à plusieurs reprises que il fallait le consentement des époux et de leurs parents pour un mariage et vous l'avez redit ce matin. Monsieur le Président, puis-je évoquer, ce sera le dernier, un document qui est une déclaration de partie civile qui me permettra peut-être de rafraîchir la mémoire du témoin sur ce qu'étaient les mariages forcés. Ce document est le document D22/1433. En français, l'ERN est 0081 1424. En Khmer, le RN est 0058 5 6 8 1. Puis-je évoquer rapidement ce dernier document, Monsieur le Président? C'est donc la déclaration d'un homme, une partie civile, qui avait 16 ans en 1975, et qui dit ceci. En fait, en 1978, durant mon affectation à la montagne de Krol, où je m'occupais de la coupe de bois, le chef de l'unité, Rin, m'a forcé à épouser Ay, issue du même groupe ethnique que moi. J'avais alors très peur et n'osais pas contester son ordre, puisque le contrevenant à l'ordre ferait inévitablement l'objet d'arrestation. Pendant la cérémonie de mariage, il y avait en total 18 couples qui se mettaient en deux rangs, les mariés au premier rang, les mariés et eux, au premier rang, devant les mariés et chacun devait déclarer son consentement au mariage. Est-ce que, monsieur le témoin, cela évoque quelque chose à propos des mariages forcés dans votre secteur? Bah, que
Je vous remercie, Monsieur le témoin. Je regrette de n'avoir pas réussi à vous rafraîchir la mémoire sur certains points importants. Je précise que les déclarations de partie civile que j'ai utilisées aujourd'hui sont celles de personnes qui vivaient dans le secteur 105 et qui, bien que j'ai choisi quelques extraits, parlent toutes de l'ensemble des politiques du Kampuchea démocratique. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président, et bonjour à Monsieur le témoin. Tout d'abord, Monsieur le témoin, j'espère ne pas écorcher votre nom. Et est-ce que vous pourriez me dire si votre nom se prononce Sao Sarun ou So Sarun? Alors, Monsieur le témoin, on a beaucoup parlé des arrestations qui ont lieu sur le secteur 105 et en particulier au sein de la division 920. Avant de vous poser des questions, je me semble important de noter un certain nombre de choses. D'abord, si on se réfère au document D288-6, .68.1 annexe 1 ou document D81 annexe A sont tous les deux des documents qui concernent des listes de prisonniers arrêtés et envoyés à S21. Sur ces listes, si on fait le total des personnes arrêtées comme provenant du secteur 105 ou la division 920, on trouve un total de 318 prisonniers. Il y a un autre document dont il a été fait mention, c'est le document qui concerne la liste des prisonniers arrivés à S21 le 23 novembre 1977 et qui provenaient soit de la division 920, soit du secteur 105. Et pour la seule journée, donc du 23 novembre 1977, le nombre de détenus s'élève à 151. Il s'agit du document D175-3-31. Alors, il s'agit de chiffres qui ne concernent que S21, et là encore, ils ne concernent pas le centre, les centres de sécurité qui ont pu exister sur le secteur 105. Tout d'abord, des questions concernant la structure administrative du secteur 105. On a beaucoup parlé de Lang comme étant le secrétaire du secteur 105. Est-ce que vous pouvez me dire si Lang avait d'autres noms? Est-ce que si je vous dis qu'il aurait pu s'appeler Ham et éventuellement utiliser aussi l'alias de Chan, est-ce que ces noms de Ham et Chan sont des noms qui vous disent quelque chose? Bah,
On vous a entendu. Vous nous avez dit que vous avez fait partie du comité qui avait en charge les affaires médicales au niveau du secteur. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous est arrivé en cette qualité d'avoir des réunions avec Leng ou avec d'autres membres du secteur 105? បាទគឺខ្ញុំជាខាងសុខមន្ត្រីពេទ្យអឺពេទ្យតំបន់នឹងមែនបាទការប្រជុំនឹងគឺបានទំនាក់ទំនងទៅគាត់ជំរុញតែខាងរឿងធ្វើមន្ត្រីពេទ្យជំរុញពេទ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលអ្នកពេលមានអ្នកឈឺអ្នកគ្រុនមកខ្ញុំសម្រាប់នឹងទីពេទ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយកចិត្តទៅដាក់ព្យាបាលគេបាទខ្ញុំតួនាទីខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ Vous nous avez également dit que Leng était parti avec Kham Phun à la fin de l'année 77 à Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez nous dire si, après la disparition de Leng, il y a eu une autre personne à la tête du secteur 105 avant que vous soyez nommé à ces fonctions? Autrement dit, entre vous et Leng, est-ce que quelqu'un a été à la tête du secteur 105? Et si oui, quelle est cette personne? Quand considérez-vous que vous avez effectivement pris en charge la responsabilité du secteur 105? Est-ce que c'est dès votre retour après la visite à Phnom Penh, après le décès de Leng, ou est-ce que c'est plus tard? Qui alors avait en charge la direction du secteur 105 entre le début de l'année 78 et septembre 78? Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si on vous a demandé d'envoyer des télégrammes régulièrement au centre, au bureau 870, à frère numéro 2 ou à d'autres personnes? Est-ce que lorsqu'on vous a demandé de prendre cette responsabilité, on vous a dit que vous auriez à communiquer et à envoyer des télégrammes et aussi à recevoir? Oh.
Alors, concernant ces rapports et ces communications, nous avons au dossier un nombre important de télégrammes. Nous avons tout d'abord des télégrammes qui ont été échangés entre Lang et Phnom Penh. Par exemple, nous avons le télégramme numéro 3 destiné au frère bien-aimé et cher à mon cœur, en date du 12 octobre. C'est un télégramme qui a été adressé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document E3-1189. Télégramme numéro 00. Du 12 octobre 76, adressé à cher Karamarat Dun, bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document E3-1191. Dans ce télégramme, d'ailleurs, Lang annonce qu'il a changé de nom et que désormais, il convient de l'appeler camarade Chan. Le télégramme numéro 3 du 15 octobre 1976, adressé au cher camarade Dun bien-aimé. Ce télégramme a été envoyé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366-7.1.780. Il s'agit encore du télégramme numéro 10 du 18 octobre 1976, télégramme adressé au cher frère bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D248-5.1.12. Télégramme numéro 3 du 6 novembre 1976, adressé à frère Noon. Il s'agit du document D252.22. Télégramme numéro 22 du 25 novembre 1976, adressé au cher camarade Pang, bien-aimé. Ce télégramme a été adressé en copie à frère Noon, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366-7.1.785. Télégramme numéro 33 du 26 novembre 1976, adressé au bureau 870 bien-aimé, dont une copie a été adressée à frère Noon, à frère Kieu, au bureau et aux archives. Et enfin, le télégramme du 20 mai 1977, adressé à l'attention du respecté et bien-aimé bureau 870, il s'agit du document IS-21.17. Dans ce document, dans ce télégramme, il est fait état d'une série d'arrestations au sein de la division 920 et il est également fait mention des noms de Som et Chin, qualifiés de méprisables. Et il a également fait état d'un rapport adressé au camarade San. Est-ce que lorsque vous rencontriez Leng ou Chan, il vous disait qu'il était en rapport avec le frère Noon ou avec d'autres personnes à Phnom Penh? บาดคือខ្ញុំសំឆ្លើយកាលតាឡាំងគាត់កាត់កាប់នឹងគឺគាត់ជូនសាតរណាតរណាខ្ញុំអត់ដឹងទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំឡើងកាន់តួនាទីឆ្នាំ 1976 ចិត្តបាយទៅប៉ុណ្ណឹងមុននឹងគឺខ្ញុំអត់យល់អត់ដឹងសោះអត់ដឹង Alors, pour les besoins du transcript, je crois que j'ai oublié de donner les références d'un document qui était le télégramme numéro 33, en date du 26 novembre 1976, adressé au bureau 870 bien-aimé. Il s'agit du document D366-7.1.786. Monsieur So Sarun,
Est-ce que vous avez entendu parler des noms de Sao Kim Han, alias Mei, de Cham, de Pak et Lok, comme étant des membres du secteur 105? Est-ce que ces noms vous évoquent quelque chose? Savez-vous ce qu'il est arrivé à ces personnes? Bien, passons à une autre question concernant la structure militaire et plus particulièrement maintenant de la division 920. Est-ce que vous vous souvenez du nom du secrétaire de la division 920 avant le nommé San? Est-ce que vous savez qui était à la tête de la division 920? Vous étiez en charge du district de Pechenda. Si je ne me trompe pas, vous aviez un certain nombre de soldats de la division 920 qui étaient stationnés sur votre district. C'est exact. Alors, est-ce que le nom de Men Meng, alias Chin, vous dit quelque chose? Alors, pouvez-vous me dire quel était le nom de la personne qui était à la tête de la division 920 avant le nommé San? Est-ce que vous avez entendu prononcer le nom de Hea Choi, alias Soi, ou alias Sei, ou alias Som? Est-ce que cette personne aurait pu être l'adjoint du secrétaire de la division 920? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de San? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré? Est-ce que San est toujours vivant? Est-ce que San a un rapport avec Nem San, dont il est fait mention lors du procès tenu en 1997 et pendant lequel
Pol Pot et un certain nombre de personnes ont été jugées par les Khmer Rouges. Vous n'avez pas habité à Annon Vang? Et vous n'avez jamais entendu parler du procès de Pol Pot? Bien. Alors, nous avons au dossier un certain nombre de documents qui concernent les communications entre l'état-major et la division 920, ou des télégrammes qui ont été échangés entre la division 920 et un certain nombre de personnes. Un premier document concernant les relations entre l'état-major et la division 920 et le document IS-13.40. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la division 920. Le super camarade Soy et Ren en date du 16 décembre 1976. Dans ce document, on retrouve notamment des directives de frère 89 sur la façon dont il faut traiter les ennemis. S'agissant des télégrammes, on retrouve un télégramme directive de frère Thieu en date du 23 septembre 1976 adressé au bien-aimé camarade Chin. Le télégramme a été copié à frère 81, à frère Somme, frère Nat, frère Ren et aux archives. Il s'agit du document D248-5.1.11. Télégramme numéro 2 du 26 novembre 1976, adressé par Chin au bien-aimé frère 89 et copié à frère 89, frère 81, frère Somme, frère Nat, frère Ren et aux archives. Il s'agit du document D248-5.1.8. Le télégramme numéro 11 du 6 avril 1977, adressé par San au très respecté et bien-aimé frère 89. Le télégramme a été copié à frère 89, frère 81, au bureau et aux archives. Il s'agit du document D366-7.1.791. Sur ce document, on trouve d'ailleurs deux annotations manuscrites. Une qui indique ceci à l'attention d'Ankar à titre d'information et l'autre arrêté. Le télégramme numéro 5 du 9 juin 1977 adressé par San au frère bien-aimé 89, Son Sen, et copié, donc envoyé en copie à frère 89 au bureau et aux archives. Il s'agit du document D248-5.1.1. En ce qui concerne vos relations avec San, monsieur le témoin, si je ne me trompe pas, vous avez reconnu avoir eu des réunions avec ce dernier et avoir indiqué que au cours de ces réunions, San était venu avec des listes de personnes qui étaient des listes de personnes à, semble-t-il, arrêter. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur ce que faisait San? San
Monsieur le témoin, j'ai peur que vous ne m'ayez pas compris. Je ne parlais pas des messages. Je parlais d'une réunion au cours de laquelle vous avez rencontré San. Et au cours de laquelle San aurait apporté des listes de personnes qui devaient être arrêtées. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à des réunions avec San? Et est-ce que vous vous souvenez si San avait des listes de personnes arrêtées? បាទគឺប្រជុំនឹងប្រជុំប៉ុន្តែបញ្ជីថាចាប់ខ្លួនចំនួនប៉ុណ្ណេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះគឺអត់ដឹងអត់ឃើញបាទ Alors, abordons maintenant les centres de sécurité. Quelques questions très rapides. On a parlé beaucoup de SOPEA. Est-ce qu'il est exact de dire que SOPEA était à la tête du réseau des centres de sécurité pour le secteur 105 qu'il avait en charge Don Kraul? K11, K17 et éventuellement d'autres centres. Est-ce que c'est comme ça que les choses se présentent? Est-ce que SOPEA avait un adjoint qui s'appelait Viang, alias Kam? Est-ce que vous pouvez nous parler de Sao Champi, alias Mang? Qui est Sao Champi, alias Mang? Qui était cette personne par rapport à vous, monsieur? Vous aviez des contacts avec lui? Quelles étaient ses fonctions? Alors, je vais donner lecture d'un extrait du document D125-1
155. C'est aussi un document qui est déjà produit au débat et qui a la cote E3-506. L'ERN en Khmer est le suivant, 00-23-99-41 à 00-23-99-47. Le RN en anglais est 00-24-44-88 à 00-24-44-93. Le RN en français est 00-28-99-37 à 00-28-99-42. Voilà ce que dit donc votre frère quant à ses fonctions. De 1975 à 1979, j'étais chef de l'une des trois compagnies du 2e bataillon de la région 105. Le chef de ce 2e bataillon s'appelait Ling. Il a été arrêté. Ling dirigeait une compagnie. Vieng, alias Kam, décédé après 119, était chef d'une compagnie. Vieng et moi, nous chargeons de défendre les frontières. Vieng était en poste à Bousra, district de Chenda. Quant à moi, au district d'Orang. En ce qui concernait notre travail quotidien, je suis venu parfois aux réunions à la région, tenues dans le district de Koh Nyek avec Ling, Sopea Ling. Et plus tard, je suis aussi venu aux réunions avec Sarun, Talok, Ta-on-si. Au cours de ces réunions, on parlait des ennemis vietnamiens, de la défense des frontières contre l'invasion vietnamienne. Est-ce que cela vous paraît conforme à la réalité? Alors, un peu plus loin, on lui pose la question, que saviez-vous de la prison à Phnom Krau? Réponse. Ling s'occupait de la gestion de prison. Je ne connaissais pas qui étaient les inférieurs de Ta Ling, qui administraient directement la prison. Il était originaire de la province de Ratanakere. Je constatais que Ta Ling ordonnait à ses soldats d'aller arrêter les gens sur l'ordre de Ta Sopea et d'après des rapports envoyés de base. Ta Sopea pouvait venir donner des ordres directement à Ta Ling ou lui en transmettre par courrier ou par un messager. Je ne connaissais pas le messager de Ta Sopea. Je n'ai jamais reçu l'ordre d'arrestation ou de réception de prisonniers. La prison administrée par la compagnie de Ta Ling se situait à environ 1 km à l'est de Phnom Krau. Cette prison avait été construite à même le sol, avec toiture en chaume. Je ne me rappelle pas le nombre d'appartements ni de maisons. Je me souviens qu'elle était entourée d'une clôture en bois. Je ne suis jamais entré dans l'enceinte de la prison. Je voyais les prisonniers prendre leur bain, désherber et scier du bois sans être attachés. Ils avaient une tenue normale, étaient composés d'hommes et de femmes. Je n'y voyais pas d'enfants. Et à l'intérieur de la prison, ils étaient peut-être menottés. Je ne connaissais pas les types de prisonniers, mais ceux qui ont été arrêtés avaient tous commis des infractions. À chaque réunion avec Ling, Sopea, Ling, c'est L-A-I-N-G, c'est le secrétaire du secteur 105, et Sarun, environ une fois par mois.
Il parlait souvent du principe selon lequel il était interdit d'entretenir des relations avec les Vietnamiens ou d'avoir une conduite libre. Par exemple, si on allait guère travailler, car tout contrevenant à ce principe était un ennemi. Ainsi, je constatais que ces prisonniers avaient peut-être réagi à l'encontre du principe en question. Alors, est-ce que ce que je viens de lire vous paraît conforme à vos souvenirs? J'aurais encore une question à poser au témoin, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. Alors, il s'agit d'une question de suivi par rapport au télégramme dont vous êtes présenté comme étant l'auteur et sur lequel vous avez déjà été interrogé longuement. Il s'agit des télégrammes numéro 54 et 55, c'est-à-dire les documents qui portent les références E3-941 et E3-498. Je note que ces télégrammes ont été remis en copie à Oncle Noon, Oncle Van, Oncle Vorn, au bureau et aux archives. Alors, ma question est relativement simple. Est-ce que vous saviez, lorsque vous adressez un télégramme aux frères bien-aimés, puisqu'en général c'est comme ça que vous adressez vos télégrammes, que ces télégrammes étaient envoyés à un nombre important de destinataires, notamment frère numéro 2, Yang Sari, oncle Van, Van Vett, ainsi qu'au bureau et aux archives. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience? Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions à poser, Monsieur le Président. ແລະນີ້ដល់ពេលសំឡំសម្រាប់ដើម្បីផ្សាយឲ្យត្រង់ហើយរៀងលឹះម៉ោង Thank you, Mr. President. My client, Mr. Nguyen Chia, would like to follow the proceedings from the holding cell this afternoon, and we have the waiver prepared. បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ដើម្បីផ្សាយថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីផ្សាយថ្ងៃត្រង់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលសូមអញ្ជើញចូលវិញហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការផ្ដល់នៅកន្លែងសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលផ្សាយថ្ងៃត្រង់ចំពោះសាក់សីនិងមេធាវីប្រឹក្សាប្រកាសហើយនិងអង្គជើងគាត់មកកន្លែងប្រតិកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោងកំណត់ខាងលើគឺម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះហើយ
ដោយនៅរសៀលនេះទុកឲ្យលោកនួនជានៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានរៀបចំជាស្រេចនៅឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពជាថ្ងៃតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល២មួយរសៀលថ្ងៃនេះដោយគាត់លះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះអង្គជំរះដើម្បីក្រុមវិទ្យាការពីក្តីបានធានាថាខ្លួននឹងប្រគល់មកឲ្យអង្គជំរះភ្លាមនៅពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសក